On se retrouve chez nous. Oui, je suis bien chez nous. La plupart du monde me connaissent. Je suis très expressif. OK? J'ai beaucoup d'intérêt. Je suis un bon vivant, un peu excentré, d'un bord et de l'autre. Ben, comme la plupart de tous les taureaux. Je cache le secret. Et je l'ai caché, ce secret-là, Jean, depuis 34 ans. Je n'ai pas supposé en parler, mais je vais en parler. Une expérience que j'ai eue au Relais Saint-François. Oh, oh, oh! C'est spécial. J'en ai eu bien d'autres expériences, mais celle-là, c'est une capable. Une capable! J'ai vu, c'est une expérience que je dois partager, là, une leçon à certaines personnes. Ils doivent l'entendre. Un message. Je ne sais même pas si je vais partager ça sur Facebook. Allez, peu importe. Je ne nommerai pas de nom. On va commencer. Je suis rentré au Relais en mai 1980, on sait. La journée même que la gang du Voyage Frontier, à l'entour de là, de Peter Gabriel avait sorti. Il y avait Steve Winwood, aussi populaire que j'ai toujours apprécié. Oui, Steve Winwood. Alors, j'ai le diver dans ce temps-là. Puis, yes, je me souviens, Pink Floyd. Tu sais, la musique qui me revient en tête, mais surtout ce souvenir-là, et les autres. Hein? Mais là, ça jouait, souvent, j'écoutais dans ma radio, toujours, ben, disons que la musique me calmait les nerfs, ben, les nerfs, ça a toujours été, la couleur, tout ça, ça m'a toujours détendu. Je suis un gars qui est assez calme, moi, j'ai déjà été très, pas agressif, mais en tout cas, genre colérique, mais là, non, Custer. Non, non, ça m'apprend gros pour me fâcher. Faut pas me piocher, monsieur tranquille. Ouais, je suis rentré là, au mai 80, puis ça s'est passé ça, en septembre de la même année. Ouais, le monde sait que je suis gay, en tout cas, j'ai été aux femmes, j'ai bien aimé les femmes, la présence des femmes, je les aime encore très. Je trouve ça assez. Mais je les trouve assez belles que je les respecte. On dirait que je veux même pas les toucher. Ah, d'accord. C'est comme une fleur. Ouais. Mais tu sais, quand t'es naissant d'institution, t'as même pas le parler des filles. À un moment donné, oh là, viens, hein. Tu faisais risquer de faire des isolations. Alors, je vais vous dire une affaire. Je suis attiré par les gars autant. On a des expériences quand on est jeune. La plupart des jeunes font des expériences. Ça accroche ou pas. Mais moi, j'avais un gars que physiquement, je me ressemblais. Je dis bien physiquement, mais. En tout cas, pas mentalement. Vraiment pas. En tout cas, je doute à pas de ça. Prends tout, mais pas. Prends tout, là. Yeah. Je filme tout encore? Oui. Yeah. Ouf, parce que des fois. En tout cas. Et c'est là que j'ai la misère. En tout cas. Faut que j'en parle. Physiquement, c'était. Ah, c'est jeu. Dans le cours d'anglais, là, on se regardait l'un puis l'autre, on avait un désir. C'était. Allez, on voyait bien, tu sais, quand on a un désir, il se passe des affaires, hein? Il se passe des affaires. Lendemain, ça, c'est vendredi aussi, là, on voyait que, tu sais quoi, j'avais. On est attiré l'un vers l'autre, là. On est attiré vers l'un vers l'autre, ouais. Ouais. Le vendredi, moi, j'avais le droit. Lui aussi, il a eu le droit de sortir la fin de semaine, mais probablement que son évaluation n'aurait pas été faite. Et moi, ben, de quoi? Ils ont bien vu que, de quoi? C'était pas si hot que ça? Hein? Non, pas pendant tout. Si faisait heure de coup. Rebelle excentrique, petit à petit à tête. Ouais, mais dis-donc, de quoi? Moi, j'espérais de rencontrer ce gars-là, peut-être dans Sherbrooke, moindrement. Tu sais, j'avais un œil dessus. J'avais hâte à lundi de le revoir dans le cours d'anglais, hein, ou ailleurs. Mais. J'ai passé la fin de semaine, je suis revenu ici, la fin de semaine. Puis moi, il est passionné des livres de mon père, tout ça, l'armée, la mécanique, l'ingénierie. Aïe, aïe, aïe! Même. Je sortais un peu. Je m'en allais faire des tours dans Brampton. J'avais pas le droit d'aller bien ben trop loin, tu sais. Sherbrooke, là. Oh, oh, oh. Ok, ok. Mon père dit, tu fais attention à toi et tu reviens à telle heure. Allez, telle heure.
Je suis revenu à l'heure, tel que promis. Ça a plus intéressé des livres que mon père de revenir et écouter ma musique, Stevie Wood, tout ça. Ouais. Dans le beau système de son dans le salon. Ouais, c'est ça, c'est bien beau. La fin de semaine, je suis revenu au relais, dimanche soir. Je faisais encore clair. Je suis revenu devant lui, ce gars-là, que j'avais un œil dessus, à un moment donné. Oh là là. Il est revenu, oui, mais. Il y avait deux jours de police. Deux jours de police, puis lui, il était avec les handcuffs dans le dos. Aïe, aïe. Les handcuffs, c'est des menottes. Je suis venu. Je suis nerveux. Je regarde si ça filme encore, oui. Parce qu'on dirait que les batteries, le gars, faut que je me fise. Là, je suis venu nerveux, puis l'éducateur m'a dit qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe? Je dis non, tu sais, tout haut, ça cache des affaires. Ah, oh, pas grave. Hey, il y a quelque chose qui marche pas. Moi, mais il y a quelque chose qui marche pas, mais j'ai dit, comment ça fait que lui, il y a des menottes? Puis moi, je pose des questions. J'ai appris à poser des questions. Il dit que oui. Ben, on sait pas. On va le savoir. Et dès... Non, su. Ah oui, non, su. Là, je commençais à pomper l'huile, pas à peu près. Là, d'un côté, ça paraissait, je suis nerveux. Je mangeais des bonbons. Mais à un moment donné, quand tu manges 5, 7, 8 bonbons, là, de fil, là, c'est que là, là, ils font que moi. Puis j'ai dit, allez-vous me dire... Les deux éducateurs, je ne mènerai pas le nom. Qu'est-ce que c'est qui s'est passé avec ce gars-là? Pourquoi qu'il y a des handcuffs? Quand il monte en l'air, j'entendais crier. Là. Non, 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 c'est pas moi qui me regardais les yeux. Là. Ah! Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas, mais quasiment. Je suis de bord. Là, l'éducateur, j'ai dit, faut que je cherche ce qui est arrivé. Là, écoute, là, j'ai dit, vous allez me promettre. Et j'ai dit, on a rentré les deux éducateurs. Ils disent, si tu ne parleras pas de ça. En tout cas, c'est là j'en parle. Hey, yeah! Ouh! En tout cas, brrr, j'aime ça. C'est des ballons dans l'estomac, là, ça fait. L'esprit me. Mais je suis assis. Ils m'ont bien expliqué calmement. Calmement! Qu'est-ce qui était survenu avec ce gars-là? Ah bien, il a fait un meurtre. Probablement que... J'ai dit quoi? Qu'est-ce qui est là? Je me lève! J'ai dit quoi? Un meurtre? Oh, comment je fais t'énerver de même? Là, j'ai été obligé de dire que, justement, c'était relié à une activité sexuelle. Oui, une activité sexuelle. Probablement que... En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête? Un peu, qu'est-ce qui est arrivé à Montréal avec le drame qu'il y a eu en 2012? Je nommerai pas encore leur nom. Peu importe! Il était recherché à travers la planète entière, ce crime-là, crime les plus atroces, qui est allé publier sur l'Internet. Oh mon Dieu. Peu importe. Je ne sais pas ce qui est arrivé. En tout cas, il était. Je l'entendais crier, il montait en l'air, là. Mais là, c'est ça, là. Ah, oh, non, pas moi! Ah, je ne sais pas ce qui est fini. En tout cas, ils l'ont transféré à Montréal parce que c'était trop hot pour le relais Saint-François, ça. OK? Oh là là, 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 oh là là. Puis je le vois encore, puis je dis pas dire qu'il était beau, mais il était royalement le contraire de moi là-dedans, là. Hé, imaginez-vous, là, que si moi j'aurais été à sa place, qu'est-ce qu'il aurait fait avec moi? Le Kodak Shake, là. OK? Ça veut dire que je serais plus là aujourd'hui, je serais peut-être bien mort, ou je serais pas fort. En tout cas, s'il y en a qui ont entendu parler de ça, qui ont des témoignages, là, peu importe, le gars, il était bien vivant aujourd'hui, je mets à balance. Il était bien plus mort que d'autres choses. J'ai jamais su son nom, c'est ça qui est le pire. Mais ça s'est passé. Là, où le lieu qui va défaire, là. Fait que quand tu vas là, je les sens les pulsions. Les gars qui ont rentré avec moi, ils ont senti qu'il y avait des affaires. Ceux qui ne croient pas aux manifestations spirituelles, là, je vais vous dire une affaire. Qu'ils aillent là avant qu'ils le démolissent. Puis même démoli, là. OK? Il va en avoir encore. Peu importe. Moi, j'y crois. Pourquoi? J'ai tout à gagner de croire en Dieu. Et ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ont tout à y perdre. Qui c'est qui m'a empêché de... Hein? J'étais protégé quelque part, moi. Hein? J'en remercie. Voilà l'expérience. Une des expériences d'Ains. Ça commence juste à sortir. Ça fait manco, oui.
J'étais un bon Jack, hein? Comparé de... D'accord. Comparé de... Certain que j'aurais pu subir le... Ah, ben, on va aller se faire un café. À cette heure qu'on a pas... Ben, divulgué. I saw the light.